Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager une citation que j'ai adorée dans le livre de Richard Carlson, Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Et donc il faut savoir que cette phrase, elle parle du bonheur et de la mesure du bonheur. Richard Carlson nous explique que le bonheur se trouve entre l'écart entre ce que nous avons et ce que nous voulons. Plus l'écart est grand, plus nous sommes malheureux, plus l'écart est petit et plus nous sommes heureux. En fait, Richard Carlson nous invite à revoir nos objectifs, à les rendre réalistes. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance parfois à courir après le toujours plus, et ce toujours plus, en fait, c'est un mirage derrière lequel on courra constamment mais qu'on n'atteindra jamais. Et en fait, c'est ce toujours plus qui va nous rendre malheureux. Donc le but pour être plus heureux et plus serein dans notre vie, eh bien, c'est de réduire au possible l'écart entre ce que nous avons et ce que nous voulons. Donc ça veut dire deux choses. La première chose, c'est d'avoir des objectifs réalistes. C'est de ne pas toujours partir dans toujours plus ou la perfection. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on a à travailler sur nos objectifs. C'est-à-dire que c'est à nous de réduire l'écart en tous les jours faire de petites actions qui nous amènent vers ce que nous voulons. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. J'espère surtout qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut !